Pas de bateau à l'horizon, plage déserte. Depuis le 8 mars 2021, les activités nautiques sont à l'arrêt. Un important manque à gagner pour les 28 entreprises de loisirs maritimes à Nouméa et toutes celles du reste du pays. Pour la plupart, un mois de confinement qui commence début mars, on va dire le 8 ou 9 mars, et qui finit fin mars, on est quasiment à moins 90% de chiffre d'affaires puisque c'est des activités non essentielles et donc il y a une fermeture complète de l'activité. Un bilan amer que confirme le gérant du club de plongée Abyss, qui n'a pu exercer ses activités que 4 jours dans le mois. Par rapport à mars de l'année dernière, sachant qu'on n'avait que travaillé jusqu'au 20 mars, on a déjà perdu 80%. Et par rapport à mars 2019, qui était un mois classique, on a perdu plus de 90% de notre chiffre d'affaires, quoi. Ce deuxième mois de fermeture survient dans un contexte économique beaucoup plus fragile que lors du premier confinement survenu un an plus tôt. L'année dernière, on sortait d'une saison classique. Il faut savoir que notre saison, c'est de octobre à mars. Et donc, nous, on sortait de la haute saison avec une très bonne haute saison. Donc, il y avait ce confinement. Après, il y a eu cette année avec la fermeture des frontières, sans tourisme, un contexte économique compliqué. Et là, on vit un deuxième confinement. Et donc on sort effectivement d'une autre saison, mais c'est plus du tout la même chose parce qu'on sort d'une autre saison qui a été vraiment très réduite. Lors du premier confinement, toutes les entreprises ont pu bénéficier du chômage partiel pour leurs employés et d'un geste de la province sud de 300 000 francs. Certains ont aussi contracté des prêts, certains ont décalé leurs échéances et donc tout ça, maintenant il faut commencer à les payer. Alors aujourd'hui on peut redécaler encore une fois si on s'entend assez bien ou suffisamment bien avec sa banque. Mais bon, à un moment donné, il va falloir rembourser cette aide et c'est là que ça devient compliqué si un nouveau confinement est en place et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si le gouvernement confirme la levée du confinement au lundi 29 mars, les activités nautiques pourraient redémarrer plus lentement qu'ailleurs à cause du maintien de certaines mesures sanitaires. Les entreprises s'y préparent déjà, tout en déplorant le décalage des vacances scolaires qui devrait induire une nouvelle perte du chiffre d'affaires.